Quand je vous disais qu'au fur et à mesure du temps, les vidéos vont commencer de plus en plus tôt à Vauban, bah c'est vraiment le cas. Hein. À chaque fois, on commence de plus en plus tôt. Bon, là, il n'y a plus rien à filmer, mais on se dirige tout doucement vers Place Vauban aujourd'hui. Ethan là-bas. Ok, voilà, on va se retrouver là-bas. Ouais, je vous retrouve ici. Ouais, on commence tôt. Hein. Regardez, on est vraiment ici. Et on commence tout de suite. Et on retrouve la Mondiale jaune que j'ai filmée dans ma dernière vidéo, une petite Pontiac. Là, AMJTR, pareil, l'habituel qu'on vous filme, enfin qu'on vous filme, je suis tout seul à vous filmer d'ailleurs, mais que je vous filme très souvent. Là, la Mondiale, la 4C, ça arrive, 9,87 Turbo, Turbo S même, vu l'aérokit et tout, ouais, Turbo S, très jolie, très très belle. Et là, vous pouvez voir, quand on avance, il y a des petits trucs par-ci, par-là, elle a une petite, elle est stylée la Barthe. Et franchement, elle a une belle dégaine. Hein. Aïe, 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 elle est stylée, elle est stylée. Appareil Merco que je vous avais déjà filmé, qui est posé au sol avec les jantes, enfin les jantes non, les plaques style allemande. Elle est stylée, franchement je kiffe bien, elle est discrète, c'est fait proprement, c'est joli tu vois. Puis après c'est un air ride, hein, je suis sûr que tu peux la relever, et elle est normale. Bon là il y a des trucs normaux, merde c'est quoi ça? What? C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Même le logo. Mais c'est stylé de ouf. Oh, une Yugo. Ah ouais, ça j'avais entendu parler, mais. C'est incroyable. Je pense que je vais faire 2-3 photos. Ah oui, le Boxster Spider là. Putain, il est tellement beau. Je vais faire quelques photos de ça parce que c'est ouf. Et je vous reprends après. Tiens, c'est quoi ça? Petit Porsche. Il y en a d'autres. Bon, enfin, je vous reprends après. Bon alors pas dans le petit tour, lui pour le coup il a du mal à repartir. Oh là là, 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 ça s'énerve là. Hein. Là les esprits s'échauffent, hein. Attention. Mais voilà, on continue là déjà, on arrive un peu plus dans les voitures. Enfin il y a beaucoup plus d'anciennes, Mustang ici, DS 356, 964, 308 là-bas. Une Audi A2, ça c'est un collector. Belle 900S, celle-là elle est belle. Hein. Oh là 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 là. Ça c'est tellement beau. Là une DS encore, là il y en a une ici, et il y en a une là, Mini Cooper, encore une autre DS, il y en a pas mal. Belle Targa au bout, que je vous ai déjà filmé, enfin qu'on voit souvent dans mes vidéos. Petit Triumph aussi, j'allais même pas la notifier parce que je regardais ce qu'il y avait de l'autre côté en fait. Sympa, hein. Petite Aseco Bra aussi, stylé. Elle a une config la Targa, elle est assez dingue en vrai. Dommage que ce soit une version de base, vraiment, tu vois, avec les échappements classiques et tout. Mais putain, même la Cobra. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est quelque chose. Hein. Et du coup, voilà, Place Vauban, bon, bah, toujours personne, à part un beau SL. Puis dans les contrées allées, j'irai voir ce qu'il y a après là-bas quand ce sera un peu plus rempli. Et je vais aller voir ce qu'il y a là-bas tranquillement, comme d'habitude, quoi. Bon, alors là, les gars, j'étais zéro prêt. D'ailleurs, lui, il veut pas laisser passer. Guettez la Testarossa là-bas, grise. Oh là là, j'espère que celle-là va repasser parce qu'il faut que je vous la filme de plus près. Tellement belle. Bon, elle est une petite moderne, mais celle-là, je suis tellement fan que bah, je suis obligé de la filmer. Je l'ai toujours dit, cette voiture, c'est un concept car sur roue. C'est une beauté, genre vraiment, c'est un délire. D'ailleurs, petite pensée à Olivier Paul. Je sais qu'ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette voiture, donc je pense à vous en la filmant, hein, vraiment. Il manque juste une 458 là qui passe, et là, c'est le combo parfait, tu vois. Mais bon, on va aller voir ce qu'il y a un peu plus là-bas, parce qu'au final, les voitures sont garées. En fait, on m'a envoyé des photos avant que je parte de chez moi. Et en fait, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y avait que des plots. Et en fait, bah, personne, entre guillemets, pouvait se garer. Mais au final, j'ai l'impression que les gens s'en battent les couilles, et tant mieux. Parce qu'au final, c'est juste des places de stationnement, hein, vraiment. Il n'y a pas non plus, hein, il n'y a pas non plus mort d'homme, mais bon, après, c'est pas non plus... les meilleures voitures de la Terre, là, hein. Sans vouloir être méchant, hein, j'aime bien tout, mais là, bon, en vrai, ça va, la petite Mustang est jolie, même la 500, petite 911. Et avec cette Rocket Bunny aussi, que je vous ai déjà filmé, d'ailleurs, je vous la refilmerai, je pense qu'il y a des fans, il y a des fans de ça, et je peux comprendre, parce que c'est super rare. Petite Jaguar MK2 qui arrive derrière, j'espère que je vais pouvoir mieux vous la filmer. Mais ah ouais, il y a vraiment de tout, hein. C'est marrant, hein. La Mustang, là, récente, le T-Roc convertible, enfin, convertible, le truc, là. Là, une Toyota GT86 tuning, mais pas trop mal faite.
faut aimer. Faut aimer. En vrai, c'est assez impressionnant, hein. C'est marrant. En fait, il faut juste une plaque japonaise sur ça, parce que sinon, ça fait un peu bizarre en plaque française. Mais voilà. En espérant qu'il y ait d'autres trucs. Là, il y a des trucs, pas grand chose de ouf. Mais après, je pense, comme d'hab, on va se placer au milieu et on va attendre les voitures qui arrivent. Enfin, tu sais, je vais vous filmer les voitures arrivées. Au moins, je suis sûr de pas les rater et je vous les filme tranquillement. Mais comme vous pouvez voir, dans la contre-allée, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, malheureusement. J'ai peur que ce matin, ce soit un peu mort. On verra par la suite, mais bon, on verra. On perd pas. Ah, je fume un combo, les gars. Entre la Mercedes et la BM. Là, on a vraiment deux beautés, hein. Deux réelles beautés. Ah, la Mercedes est tellement belle. La DR. Elle est très bien faite, la gosse. Elle est bien réalisée, elle est bien faite. Petite MR2. Ça, c'est pour Nino, ça. Puis là, bon, c'est 63 un petit peu. Oula. Et là, je vais filmer la Z8 Jante Alpina, intérieur rouge. Elle est très belle. Allez, on reste dans le même plan. L'Hurricane. Elle est stylée, la première. Très, très stylée, la première. Bon, là-bas, il y a une petite SVJ Roadster, elle a pas du tout voulu passer devant moi, malheureusement. Elle a fait tout le tour de la place, sauf là où j'étais. C'est pas grave, je la filme de loin. Dans l'ombre. Bon, il y a une petite V12S ici. Très belle couleur. Ah, ça fait longtemps qu'elle est sur Paris aussi. Je la voyais avant et on la voyait moins un certain temps. Et là, bah, au final, on la revoit. Elle est jolie quand même. Hein, petite. En plus, c'est une S. Hein. C'est quand même pas mal en S. Hein. 390, là une Alpina un peu bizarre quand même. C'est le cas AMG, là une 980 GTS verte, elle est verte avec des jantes de turbo, très très belle. Ça pareil, je sais pas si je l'ai filmé, mais je l'ai déjà vu il y a très longtemps. Et je fais le tour, non, il n'y a rien d'autre à vous filmer, petite de chevaux. Regardez là-bas, CL65 AMG, magnifique celle à Solia, je l'ai déjà filmé dans un car spotting. Là il y a une Bentley. Bentley dans une config, les gars, elle est parfaite, clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne veut pas. Ah oui, regardez là-bas, bon, une R8 avec une couleur bizarre et une Aston AMR apparemment. En tout cas, elle a une peinture tuning. Bon, elle n'a rien d'AMR en vrai, elle a juste une peinture bizarre. Enfin bref, je la filme parce que bon, voilà. Tiens, regardez là-bas, une 997 T4. Je sais pas si c'est une GT Street ou quoi. Ah non, celle-là, c'est même pas une T4, c'est une Mansory, je crois, logiquement. Il y a même moyen que ce soit un One of One ou une connerie comme ça. Je crois que c'est une Mansory, ouais, mais en tout cas, c'est, ça a tout d'une T4, hein, c'est marrant. Ah, regardez là, 365 GT de plus 2. Sympa, sympa tout ça. Sympa. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu à Vauban. Allez, la petite Aston. Petite Aston V8. Cab. Petite beauté. Allez, je filme la Morgane aussi, en bleu. Est-ce qu'elle est une petite confine? Bon, on se retrouve dans cette contre-allée une nouvelle fois. Moi, je l'aime bien cette allée. Elle est marrante. C'est comme c'est fermé. Enfin, tu peux pas passer en voiture, quoi, logiquement. Du coup, tout le monde se gare sur la route, quoi. Et on se retrouve avec plein de voitures. Bon, après, c'est des voitures qu'on a déjà vues quasiment, mais il y a des trucs quand même qu'on n'a pas vus. D'ailleurs, il y a des trucs qui arrivent encore au bout là-bas. Là. Et en fait, il y a même des voitures qu'on n'a pas vues, quoi. Comme par exemple cette S65. Enfin, en tout cas, on me l'a envoyé. Il y a tellement de monde, par contre, c'est incroyable. Alors, celle-là, elle est. Ah, de toute façon, je reviendrai la prendre en photo, etc. Parce qu'elle est. Elle est violente, hein. Très 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 violente. Et là vous pouvez voir, il y a plein de voitures qui arrivent. Bon, des trucs bien tuning. Ça paraît, je pense qu'il doit y avoir des fans de ça. Voilà. Puis bon, il n'y a plus grand, si il y a une belle Targa au bon. Au fond, pardon. Je voulais dire au bout, au fond, j'ai dit au bon. Bon, bah voilà, c'est un mix des deux. Hein. On fait avec.
belle Bentley aussi, celle-là, c'est, je l'ai déjà filmé, je pense, parce qu'elle est très souvent là. Mais la Targa, par contre, elle est magnifique. Elle est vraiment dingue. Oh là là, c'est dommage qu'évidemment il y ait du monde devant. Enfin, c'est normal, hein, mais on va pouvoir bien vous la filmer. Mais alors, celle-là, elle est. Waouh! Waouh! Elle est tellement belle. Intérieur de dingue. Folle. Ouais, je continue de vous filmer un petit peu les voitures. Ouais, la S65 est là. Petite Gallardo. Petit truc là-bas, une voiture qui pète, frérot. Ça rend ouf, ça, gros. Ouais, il s'est cru je sais pas où là. Insupportable. Bon, enfin bref. Belle M4. Putain, elle est posée la M4. Hein. Wow, bon, je vais faire tout le tour, je vais pas déranger. Je vois, je filme de loin une petite soupe aussi. Celle-là, elle est passée, le bruit que ça fait. Il a pas accéléré ni rien, mais le petit bruit que ça fait, c'est assez stylé. Je vais aller vous filmer la V8. Puis voilà, hein, on verra après. Ah, des petits trucs, il y a même une. C'est quoi, c'est une Shadow? Ouais, c'est une Shadow. Je pensais que ça allait être une corniche. Mais non, non, c'est une Shadow. Voilà, la V8. La Shadow, très très belle. F-Type SVR M5, magnifique. Puis voilà.